Invitée du 13h, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement du gouvernement Juppé, présidente du mouvement écologiste Cap 21. Bonjour, merci d'être avec nous. Que pensez-vous de cette première consultation publique sur l'enfouissement des déchets nucléaires? C'est une bonne chose ou c'est de la poudre aux yeux? Cap 21 et moi-même, nous sommes bien sûr très favorables à tout ce qui est consultation du public, à condition que cette consultation soit honnête. Ce qui veut dire que toutes les informations doivent être mises sur la table et que la décision doit être prise. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, pour Bure, la décision peut encore être discutée, mais ce qui est vrai, c'est que le choix, c'est Bure ou Bure, puisqu'il n'y a aucun site alternatif. Donc, ce n'est pas un choix, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de choix. Alors, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est de discuter au fond sur la dangerosité et sur la possibilité de revenir en arrière ou pas plus tard. Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a des inquiétudes, là. On écoutait les habitants de la région, ils ont peur des contaminations, des maladies. Elles sont, à mon sens, justifiées. Et il y a eu un rapport indépendant dont le Parlement n'a pas été destinataire, ce qui est quand même incroyable, de janvier 2005, qui montre les très grandes faiblesses de l'étude de l'ANDRA. Mais ça veut dire quoi? Alors, poudre aux yeux, a priori, cette consultation. Pas tout à fait, mais disons que les dés sont pipotés. Déjà au niveau des informations qui sont données et très probablement au niveau du choix. Alors justement, donner des informations à nos téléspectateurs, l'enfouissement des déchets tel qu'il est envisagé dans ce projet-là, quels avantages, quels inconvénients? Grand risque, on ne sait pas sur des centaines d'années ce que ça va donner. Deuxièmement, c'est une vraie poubelle, c'est-à-dire qu'il est à peu près certain que personne n'ira jamais rechercher cela. Ça veut dire que notre génération se permet de donner aux générations futures une véritable poubelle qui sera ingérable. Oui, alors on entendait justement Michel Rivasi qui disait on ne sait même pas retrouver les momies en Égypte. Comment va-t-on retrouver justement ce site d'enfouissement? Non, mais on ne trouvera pas. C'est un moyen de s'en débarrasser et dire il n'y a plus rien circulé, il n'y a rien à voir, ce qui fait qu'il n'y a plus de coût. Du même coup. Alors, plus globalement, est-ce qu'on avance en France sur le débat public concernant le nucléaire? Est-ce que c'est un sujet dont on peut parler démocratiquement? Non, je ne crois pas. Et le meilleur exemple, c'est ce qui se passe à Flamanville avec le nouveau réacteur, où là, c'est vraiment se fiche du monde, j'emploie le terme volontairement, parce que la décision a été prise, elle est votée par le Parlement, et c'est maintenant qu'on organise une concertation publique. C'est-à-dire, c'est dire clairement aux gens, vous pouvez raconter ce que vous voulez, ça ne changera strictement rien à la décision. C'est pas démocratique et en plus c'est pas conforme aux nos engagements européens et internationaux. Corinne Lepage, merci d'avoir été l'invitée du 13h. Merci à vous. Cette information importante pour les pêcheurs du golfe de Gascogne.